Ce matin, on est toujours dans le thème des élections scolaires et on rencontre une candidate de la circonscription numéro 10. Il s'agit de Mme France Gagné. Bienvenue à l'émission. Merci. On va débuter avec une présentation. On veut bien connaître nos candidats. J'aimerais connaître votre parcours dans le milieu scolaire. Alors, tout d'abord, je suis une mère de famille. Oui. J'ai commencé mes débuts en participant au conseil d'établissement de l'école Sainte-Thérèse. Par la suite, j'ai été membre au conseil d'établissement de la polyvalente, maintenant l'école secondaire des oui, Grandes Marées. C'est ça. Par la suite, je suis venue présidente des Grandes Marées. Par après, j'ai été déléguée au comité de parents. J'ai été commissaire parent, élue commissaire parent, présidente du comité de parents pendant 5 ans. Alors, par après, j'ai été commissaire, élue commissaire. J'ai siégé sur beaucoup de comités aussi à la commission scolaire, de différents comités. Entre autres, j'ai été présidente des services éducatifs. J'ai siégé aussi aux ressources matérielles, le comité des mesures d'urgence, le bassin d'alimentation, revision de décision. J'ai participé aussi à beaucoup de comités de sélection pour les directions d'école, pour les enseignants aussi, puis aussi pour le choix de concierge aussi. Donc, on poursuit dans le milieu de l'éducation oui. en se représentant oui. comme commissaire. Circonscription numéro 10, pourquoi? Bien, en fait, c'est mon quartier. Moi, ça fait 25-30 ans que je suis dans mon quartier. J'ai élevé ma fille aussi dans le quartier, puis je connais très bien le quartier. Mm-hmm. Je connais les besoins aussi pour les écoles, l'école Sainte-Thérèse, entre autres. Fait que c'est sûr que je suis contente d'être dans mon quartier. J'ai déjà été dans d'autres quartiers aussi, mais là, je reviens dans mon quartier. Et justement, on parle des besoins du quartier. Qu'est-ce que vous proposez à la circonscription? Alors, moi, je propose le maintien du support à l'élève, le développement encore plus de la formation professionnelle aussi, parce qu'on veut garder nos jeunes dans la région. Ensuite, de garder nos écoles ouvertes aussi, aussi les écoles de village ouais. aussi, c'est important, parce qu'on sait que les écoles de village, il y a moins d'élèves. On a des écoles à 25 élèves. Mm-hmm. Fait que c'est important de les garder aussi. Mais le taux d'élèves est quand même régulier. On n'a pas eu de diminution d'élèves pour le moment. OK. Donc, on maintient les services pour les petites municipalités. Oui. Justement, ce qui nous amène à l'importance de voter à cette élection-ci, à participer. Mm-hmm. Pourquoi c'est important d'aller manifester notre droit de vote dimanche? Bien, c'est important parce que moi, c'est un devoir de citoyen que je trouve. C'est autant important pour les parents que les grands-parents. Les grands-parents ont tous des petits-enfants aussi. Fait que c'est important pour aussi continuer puis assurer les services éducatifs sur le territoire de la commission scolaire, pour garder aussi les services qu'on a déjà, le transport scolaire, l'entretien des bâtisses. Puis c'est important d'aller voter parce qu'on sait que le taux de participation n'est pas tellement élevé. Fait que ouais. je souhaite de tout cœur que le taux de participation soit plus élevé parce que s'il n'est pas vraiment élevé, on ne sait pas l'avenir de la commission ouais. scolaire. On nous a fait comprendre que les enjeux étaient grands ça, oui. pour cette élection, donc d'où l'importance d'y participer. Et on terminera avec pourquoi on vous donne notre vote. Bien, parce que moi, je connais très bien le territoire de la commission scolaire. J'ai beaucoup d'expérience. Je connais les besoins, je suis disponible, puis je suis à l'écoute de la commission scolaire aussi. Des parents, c'est important d'aller voter. Oui, absolument. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Merci. C'était très intéressant. On vous souhaite une belle fin de campagne. On rappelle aux gens que c'est dimanche que ça oui. se passe. On va voter. On a tout reçu l'information à la maison dans nos boîtes aux lettres. Merci beaucoup. Merci, vous êtes gentils.